Vous êtes policier? Vous êtes policier? Ah, bonjour, patron. Il pleuvait dehors. Non, je suis pas nerveux. Je suis Jack Martel. Le Jack Martel, est-ce que vous connaissez? Dans la salle? Vous connaissez? Non? OK. Voici mon CV. Oui, désolé. Tu sais ce qu'on dit? Ben, il m'est arrivé la même chose. Imagine-toi donc que mon chien, ben, il a mangé mon CV. OK. Ben, tu sais, Oui, j'ai gagné plein de certificats. Oui, j'ai gagné plein de certificats pour mes excellents notes au secondaire. Mais je peux pas vous les amener, tu sais, mon chien. Je suis très responsable, oui. Et les patrons m'aiment beaucoup, tu sais. Un exemple? Ben, l'autre jour au restaurant, vous savez, j'ai fait quelque chose de très bien. Puis mon patron m'a dit une chose, il y a beaucoup comme toi dans mon restaurant! Oh, c'était l'un des plus beaux compliments qu'on m'a dit dans ma vie. Présentement, je travaille au McDo, oui. Ben, pas là, là, parce que... Oui, là, là, parce que je suis ici, là, je crois pas que je suis... Comment je peux être à deux endroits en même temps? Pardon? Depuis que j'ai 18 ans, oui. Les burgers pis les frites, j'aime bien ça. Bordel que c'est bon! Et les McFlurry aussi. Vous savez, avec les Smarties, là... j'ai toutes les qualités pour cet emploi. Et il n'y a pas mieux que moi, mon gars. Premièrement, chez Disney. Tu vois? Il faut y faire très attention. Oh! Attention! Hey, monsieur, vous, avec les doigts pleins de clous fraîches, là, j'ai pas permis de toucher à ça, hein? Bon. Je peux-tu continuer, là? OK. Deuxièmement, il faut faire un petit peu d'espace, là, tu sais. Tu n'as pas de parler, il faut aller à la chaleur en même temps! Vous voyez? Je suis ici. Allô? Je me pense que votre clou fraise est dans le temps. M'as-tu vu, Hachette? Ben non, c'était juste à 15,3 minutes que je suis arrivée. Bon, troisièmement. Je suis capable de rendre les gens immortels. Tout le monde sait que rire chaque jour, ça nous fait vivre plus longtemps. Ben, je suis un petit comique. Préparez-vous bien. J'ai une bonne blague à vous conter. Pourquoi Julie est tombée de la balançoire? Hein? Parce qu'elle n'avait pas de jambes? Ben non, c'est pas là. Parce qu'elle n'avait pas de bras. Ha ha ha.